Hey, hey, hey! Je vous fais partager mon coucher de soleil! Est-ce qu'il y a des gens? Il est pas beau ce coucher de soleil! Oh là 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 là! Voilà! C'était la vue de mon salon, je voulais vous la partager! Voilà, c'est histoire de changer un peu. Oh, je suis pas du tout fixe. Bonjour les amis! Alors, je vous plante le décor. Je suis mais KO. Je sais pas pourquoi. Je suis mais en fait, ça m'est tombé dessus à 16h. Mais alors, vraiment, j'ai dû prendre un Nurofen Flash, fond de mal de tête, grosse fatigue, tout, plus de goût, plus d'odorat. Non, je déconne. Non, j'en suis pas à ce point, mais je suis morte. Et en plus, bah, hier... pour ceux qui ont suivi les stories, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis fait 9 minutes. Attendez, ça ne va pas. 9 minutes de gainage en statique. Non, mais 9 minutes de gainage en statique. J'ai tenu 9 minutes comme ça. Je vous dis qu'il en fallait du mental. Donc, bref, ça vous fait rire. Hein, le goût, j'ai plus de goût, plus d'odorat. Alors, j'ai oublié d'enlever les sockets. Alors, on se fait du coup 20 minutes, ça vous va si on fait 20 minutes d'abdos, mais par contre 20 minutes d'abdos de grosse connasse, hein, tu vois. Ok. Alors, oui, Hélène, t'es où? Est-ce qu'Hélène est là? Hélène? Où Hélène? Alors, ce qui est bien, c'est que quand je suis crevée, je suis souvent très conne. Alors, bon, déjà que sans être fatiguée, je suis un peu conne, mais alors là... Vous allez être servi. Allez, on se met debout. C'est parti, les amis. On va se faire un tout petit peu d'échauffement. J'en ai marre que ce soit toujours les mêmes chansons. Non, 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 non. Hey. Alors, on va juste faire un point. Ouais, 20 minutes, hein. Oh mon Dieu, on dirait que je fais 1m2, là. Allez. Donc là, doucement, mais sûrement... Non, je cadre trop mal les lives de sport. On dirait que j'ai des knackis à la place des orteils, ça je sais, merci. J'ai des pattes d'ours. Mais non, que j'ai des knackis à la place des jambes. Donc là, tu es gainé, c'est dur, d'accord? Tout ça c'est dur, t'es pas comme ça, là, d'accord? Et tu refais, voilà, on se réveille, les épaules sont basses. Allez, tu rentres les ventes, tu rentres les ventes, tu es guéri, c'est pas mal. Putain, j'en ai marre d'être blanche. Il faut qu'on bronze là, c'est bon, vas-y. Là, hier, tout à l'heure, je me suis mise sur ma terrasse, mettons en sumo, je me suis mise sur ma terrasse, 16 degrés, s'il te plaît. Et que dis-je 16, non, 17 degrés. Au soleil sur ma terrasse et mais il tape pas assez fort encore, on bronze pas vraiment. Allez, tu tires, c'est pour réveiller le haut du corps parce que c'est ce qu'on va travailler. On dirait un berlingot, tu sais, le truc que t'accroles, les trucs comme ça, les berlingots là. Allez, et là tu restes et tu fais une opposition des brassades. Là, la main celle-là elle va vers le bas et ça va vers le haut. Tu vois, en bas t'as Brad Cooper qui te tire la main et en haut Brad Pitt. Hé les gars, faites gaffe, putain. Je peux choisir aussi, hein. Moi perso, putain, j'aurais du mal à choisir quand même. Brad Pitt il est canonissime, même à 50 balais. Descends. Mais et Bradley il a ce charme. Et il parle français, ce qui m'arrange vu que je suis une merde en anglais. Donc, rentre la ventre. Ah, pardon, il faut voilà, faire des petits étirements comme ça. Rentre les ventres, tu tires. Le sourire chauffe. Et ouais, là, regarde comme ça se dessine. Je fais tellement mes défis de gainage là. Là, en ce moment, j'ai un ventre pas dégueu. Hein. Je peux pas dire, mais. Ça me fait penser à. Je sais plus quel abonné qui disait « Est-ce que tu veux du résultat ?» Ben je crois
esprit là quand même. Hein. Je commence à avoir des tablettes de chocolat, allez. Mais après, non, mais c'est pas pour me la péter que je dis ça, c'est pour vous montrer à quoi ça sert. Si je me la pétais vraiment, j'aurais la décence de pas montrer mes pieds, quoi. Donc voilà. Je mise tout sur les abdos. Et tu fais pareil. Donc là, c'est les épaules, regarde. Tu fais pas comme ça, tu vois, t'as pas ça qui bouge, non. Que le haut. Le bassin, il est figé. Allez. Et tu rentres bien le ventre, toujours. Jamais t'oublies de rentrer le ventre, jamais, jamais. Putain, on dirait un cours d'aérobic des années 80, je veux pas dire, mais... Descends, et de côté, et de l'autre. Côté, tu dis reviens. Côté, reviens. Tu souffles. Ah. Ça fait du bien, ça, je trouve. Oh putain, comme j'ai mal aux épaules. Oh, j'ai mal aux épaules de ouf de ce gainage. Oh. Mais non, vraiment, le gainage, c'est la vie, les amis. Je vous jure, si vous voulez travailler un ventre, enfin, essayer de travailler pour avoir le ventre plus plat, mieux dessiné. Moi, je fais tellement de gainage que j'ai levé, là, des... Tu sais, les rugbyman, ils ont levé, là, comme ça, de levé de laine, tu vois. Mais regarde. Oh, sans déconner. Non, mais... Oh, ouais, bah, merde, oui, ouais, bah, franchement, je les assume, je me vante de mon ventre. Non, mais parce que, putain, tu vois que le gainage sert à quelque chose. Et c'est une sportive de toute la vie, hein, qui vous parle, hein. Et j'étais, avant de faire beaucoup de gainage comme ça, j'avais pas le ventre comme ça, non, 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 hein, je vous jure. Allez, je sais, je parle trop, ça va. Allez, on va partir debout, d'accord. Ah mais si tu veux la même chose, je te promets, il faut faire du gainage. Alors regardez, tu pars droite, tu rentres le ventre, tu enroules, tu restes les jambes tendues, tu marches sur tes bras. Et tu restes un stack. D'accord? Tu restes comme ça. Allez, on tient, tient. Rentre bien le ventre, contracte le périnée, à savoir ce que tu entre les jambes. Marche arrière, jambes tendues. Et tu déroules la tête en dernier. Ah, j'ai mal à la tête. On refait, d'accord? Et tu enroules. Les jambes sont toujours tendues. Si tu puis, t'as perdu. Tu descends sur les coudes et tu restes. Despacito. Allez, rentre le ventre. Putain, j'ai chaud. Oh, 9 minutes comme ça, je vous jure. Et là, tu reviens en arrière. Donc là, prochain objectif, 10 minutes. Hein. Enfin, je repasse, mais j'ai 10 minutes de plus. Tu descends. J'ai entendu. Et tu ouvres. Et tu rentres à l'intérieur. Tu ouvres. Tu rentres à l'intérieur. Allez, on tient. Tu restes en statique. Sinon, c'est pas drôle. On va faire de l'autre côté, tu vas passer. Donc, allons, aligne bien poignet et épaule, hein, d'accord? Tu ouvres. Donc ça sollicite l'équilibre, hein. Bam, bam. Bam, bam. Allez, tu rentres. Tu déroules. Tu rentres. Tu déroules. Tu descends. Allez, tiens. Tiens bon. Pense aux tablettes de chocolat que je t'ai montrées. Allez, sur le côté, tu tiens. Poquito, na 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 na, poquito, poquito. Na 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 na. Donc tu peux ou te mettre comme ça ou comme ça, c'est comme tu veux. Et donc tu vois, aligne. Épaule, coude. Tu vois, j'étais trop comme ça, je me suis mise comme ça. Tu reviens. Allez, statique, tiens. Tiens le coup. Ah. J'ai mal, hein. Faut pas croire, hein. De l'autre côté, allez. Allez, tu serres les fesses, tu rentres le ventre.
bien. Tu montes, tu m'insures et tu déroules. Vas-y, saute-moi, c'est pour toi. Et tu m'enroules. Tu marches. Tu ouvres, tu ouvres, tu fermes, genou dedans, genou dedans. Tu ouvres, tu ouvres, tu fermes, genou dedans, genou dedans. Tu ouvres, tu ouvres, tu fermes, genou dedans, genou dedans. Tu déroules, allez. Attention, mountain climber. Tu fais comme si tu voulais courir, mais bon, t'es à plat, quoi. Allez, il se peut que je vomisse. Cet exercice me fait remonter je ne sais quelle partie des de l'estomac. Ah non, cet exercice, je vous jure, ça me secoue un truc dans le ventre. J'ai peur qu'à tout moment, je... Voilà, c'est la classe. Allez, faut pas être énorme pour le faire, autrement jamais tu tiens. Moi je peux pas, il faut faire des pauses. Tout le monde peut tenir, je t'assure. C'est une question de progrès. D'accord? Ah ouais, Lucie, t'as ça te file la nausée aussi. C'est une question de progrès. Je vous assure, il faut pas dire non, je suis trop lourde pour ça. Vous faites un petit peu. Et la fois d'après, c'est comme moi, mon défi là que je me mets de gainage. Au début, je tenais 4 minutes. Après 5, après 6. Après 7, tu vois, et c'est à chaque fois, je gagne un petit peu, quoi. Et c'est pareil pour les planches comme ça. Allez, donc on continue à faire un peu de gainage, attention, mais on va faire des pauses, même moi, d'accord? On fait des pauses toutes les 20 secondes, on fait des pauses de 10 secondes toutes les 20 secondes, ok? Allez. Est-ce que vous pouvez screener l'autre bâtard, s'il vous plaît? Screenez-moi le bâtard que je le bloque. Allez, tu tiens. Alors voilà, si tu tiens pas 20 secondes, tu tiens le max que tu peux et après tu reposes sur les genoux, d'accord? Mais essaie de faire un tout petit peu à chaque fois pour que tu puisses progresser les fois d'après. Do you know what I mean? Allez, rentre le ventre. Ah. Voilà, donc tu vois, tu reposes. Et là, regarde. Tu passes sur les mains, les coudes un peu, tu rentres le bassin et on fait des pompes. D'accord? Pompe genoux, ouais, parce qu'on est des filles et nous on est fragiles. Allez, parce que rien que comme ça, ça ruine sa mère. Pense bien à mettre tes coudes vers l'extérieur, mais surtout un peu vers l'arrière. Pas trop sur les côtés. Tu vois, t'es pas comme ça, là tu te ruines. C'est plus vers l'arrière, ok? Allez, on se remet comme ça. On va faire un petit twerk. Et tu twerk, regarde. Tes pieds ne bougent pas. Tu restes au même endroit sur tes orteils ou nez. Côté. Côté. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Mais ça fait du bien. Tu reposes. N'hésite pas à t'étirer un peu. Et attention, tu reviens et là tu avances et tu reviens. Tu avances et tu reviens. Imagine que tu es un Playmobil là, regarde les bras de Playmobil que ça fait. Fais un tout petit peu. Là, si tu commences à fatiguer, hop, c'est pas grave, tu poses et tu feras plus la fois d'après. Mais tout le monde peut y arriver, je vous jure. Je vous promets, c'est pas impossible. Non, non, non. Allez, on repose. On bascule le bassin. Et pompounette. Tu souffles bien. Rentre le ventre. Hein. Là, t'es comme ça, d'accord? Tu peux faire les genoux relevés si tu veux. Hein. Mais je trouve que c'est plus dur. Je sais pas, psychologiquement, c'est pas la même. Voilà. Et moi, je suis une brêle en pompe. J'ai des bras, j'ai l'impression que c'est en mousse. Allez, on tient, on se remet sur les coudes et Spider-Man. Allez, wow, oh, I never see anybody sing a feeling to before. N'importe quoi. Oh, tu me
Allez, on tient bon. Arrête-toi quand tu veux, quand tu sens que t'es au bout, d'accord? Allez, on reste sur les coudes, on revient. Tu lèves une jambe, tu restes. Descends. Tu montes, tu restes. Descends. Monte. Descends. Monte. Descends. Monte. Descends. Monte. Allez, on pose. C'est bientôt fini. Et là, tu ouvres, tu ouvres, tu fermes, en l'air, en l'air. 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 Ah, ah. Oh, comme ça fait mal, mais comme c'est bon. Et non, le gainage, tous les gros sportifs, tous les grands sportifs font du gainage. C'est parce que tu t'améliores dans tout quand tu es gainé. Tu comprends comment je peux faire, comment je peux te faire comprendre que le gainage est très important dans les filles. Ah ouais, non mais c'est vrai, hein. C'est la base de tout. Et ah non, c'est la folie. C'est la folie, tu augmentes tes performances en tout. Après tu vas voir, gaine-toi bien, va faire un footing après. Tu vas voir, tu ne seras pas gainé. Et après, ça travaille les bras, tu sais quoi? Tu veux mettre une pêche à quelqu'un, mais tu l'exploses, tu lui retournes la tête. Hé hey, gainage. N'importe quoi. Allez, on passe sur le dos. Alors, quelque chose très important. Et ouais, ça fait mal aux épaules, hein. Mais c'est pour ça que tout le monde me dit, ah mais t'as les bras hyper musclés. C'est vrai que j'ai un peu les bras de Madonna, c'est d'ailleurs pas très sexy, hein, je le conçois. Mais tout ça, je fais pas, moi je soulève pas de poids, hein, je vais pas à la salle. Hein. Mais c'est le gainage. Tu vois, regarde, c'est à force d'être sur les bras, je vous jure. Bon, bref. Ah, et puis, et tous ceux qui me jugent en disant, non mais regarde comment elle se montre. Eh ben ouais, c'est comme ça. Je me fais pas chier à faire 8000 heures de sport pour même pas pouvoir dire, ben ouais, je suis musclée. Merde, alors je vais pas m'excuser, là. Hein? Alors, regardez. Je pense qu'il va falloir que je descende le truc. Hop là. Pendant le confinement, tu faisais toutes les pauses et maintenant tu fais plus de pauses. Et oui, voilà, on progresse. C'est ça. C'est ça qui est bien. Moi, je dis justement, on est là, on fait du sport entre copines. On est chacune chez soi. Si tu as envie de te poser, tu poses. Mets-toi des petits objectifs. Ça sert à rien de se dégoûter direct. Il faut mettre des petits objectifs pour progresser petit à petit dans le plaisir et la bonne humeur. Donc là, regardez. Tu déroules bien. Pour que tu sois à plat. Là, les mains, elles passent pas, d'accord? Parce que, voilà, moi, je suis cambrée à la base. Ma position naturelle, c'est ça. La main, elle passe. Non, là, tu plaques. Parce que regarde, rien qu'en étant comme ça, le fait de plaquer touche ton ventre. Alors, c'est pas dur dessous? Voilà. Ok, donc, on est sur ce principe-là. Pardon. Donc là, on va faire des roll-up, des roll-down. Putain, j'ai les pieds sur ma table. Tout va bien. Attendez. Et là, on descend doucement. Et on remonte. Si tu n'arrives pas à remonter, je le dis toujours, attrape tes cuisses et tu t'aides. Tu verras que petit à petit, tu vas renforcer tes abdos. D'accord? Et tu pourras monter toute seule comme une grande. Et tu pourras même faire le même exercice, jambes tendues. Alors là, on part coucher les filles, d'accord? Allez, plaque bien. Tu souffles et tu redescends. Jambes tendues au sol. Et là, pareil, si tu n'y arrives pas, tu t'aides. Tu triches, tu vois. C'est pas grave. Ça travaille quand même. Et tu remontes, tu restes. Là, regarde, tu as les pieds comme ça, je ne les montre pas parce qu'ils sont très très laids. Non mais voilà, donc tu as les pieds posés au sol. Tu descends à mi-chemin, tu ouvres, tu reviens, tu ouvres, suis du regard ta main, c'est mieux. Le dos est droit, les épaules sont basses,
Et ça travaille au nez quand même, hein. Et tu remontes, tu souffles. D'accord. Tout ce que vous voyez d'insultant, quoi, les filles, vous screenez. Parce qu'à chaque fois, du coup, ça me permet de les bloquer. Merci. Et là, on fait vite. Un, et deux, et trois, et quatre. Pourquoi je compte? Et tu reviens. Derrière. Tu reviens. T'es à mi-chemin. T'es mi-couché, mi-debout, mi-molette. Je suis sûre que celles qui me connaissent trop, là, vous l'avez dit avant moi, le mi-molette, c'est sûr. Allez, on lève les papates. Et tu vas chercher sur le côté. Tu reviens. Côté. Reviens. Rentre le ventre. Côté. Reviens. Donc tout ça, ce sont des abdos pilates. Hein. Pourquoi vous rigolez? Il y a longtemps que ça a commencé à... Ben, on voit les retardataires. Ça a commencé à 30. Et là, on fait vite. Côté, reviens. Côté, reviens. Côté. Hein, voilà. Tu souffles. C'est que le haut qui bouge. Après, on va faire la version du bas qui bouge. Ah. Et essaye de rester en arrière. Hein. Alors, c'est normal, ça sollicite le bas, là, aussi, hein. Mais elle parle fort, cette dame. Oui, je parle fort. Et encore, je suis calme. Allez, tu fais pédali, pédalo, comme ça. Soit tu te... Pour avoir l'équilibre, tu te tiens là, sinon... Si t'as déjà bien des abdos, tu peux le faire les mains en l'air. Ah, j'ai la hanche qui craque, putain, je déteste. Je sais, ça fait mal. Ça tire dans les... Dans le bas du dos, mais c'est normal. Allez, et on ferme, on ouvre, on ferme. Donc n'hésite pas, hein, si c'est trop dur, tu poses tes mains au sol. Hein. 10, 9. Oh putain, on voit mes orteils de hibou. En vieillissant, j'ai les phalanges qui se recroquevillent. Je vous jure, là, c'est même plus un petit orteil que j'ai. C'est des griffes de hibou. Je vous promets. Ça fait des boules. Tu vois, j'ai pas. Normalement, les gens, ils ont les orteils étendus. Moi, plus ça va, plus ils se recroquevillent. En fait, j'aime tellement pas mes pieds que même mes orteils, ils disent ouais, vas-y, tu sais quoi, maintenant, je suis trop complexée. Laisse tomber. Hein, moi, je rentre. Ah oui, c'est sûr. Je sais pas si c'est à cause des talons, des pointes de danse quand j'étais gamine ou j'en sais rien. Mais alors là, ils prennent cher. Hein. J'ai trop envie de mettre... Venez, on met les... C'est quoi il est où, là le pirate. Allez, on continue. C'est par terminé. On se met au sol. Allez, on se motive. On est au sol. On lève un genou. On lève les épaules et on va chercher sur le côté pour travailler les obliques. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est entraînante cette chanson. Tu souffles. Tu reviens en chaise renversée. Tu mets tes mains face au sol. Et là, tu vas pouvoir m'insulter, mais comme jamais, tu tends les jambes. Sardine, sardine. Et c'est parti, tu essaies de décoller telle une petite sardine desséchée qui ne veut pas mourir et rejoindre le plus vite possible la mer qui l'a rejetée. Allez. Ça s'appelle l'exercice de la centaine en pilates parce que tu es censé faire des 100 battements comme ça. Mais moi, je trouve qu'on a l'air de vieilles otaries. Allez, on refait parce qu'on doit en faire 100, normalement. Allez, c'est parti. Tu souffles. Oh, sa mère. Allez, si tu vas pas jusqu'au bout, c'est pas grave. T'en fais un peu et tu te reposes. Oh, bordel de merde. J'ai chaud. Toi, l'enfant qui, avec ta maman, n'écoute pas les gros mots. Hein. Plus tu baisses les jambes, plus c'est dur. Hein. Oh. Allez, ventre plat.
Dites-vous qu'Alexandre a le ventre plat. Allez, on baisse donc l'autre genou cette fois. Ah non, mais je... Oh là là, j'ai le power avec cette musique-là. Ah non, mais j'ai la force en moi, je vous jure. Non, ça vous fait pas ça? Je vous jure, mais j'ai l'impression que je peux tout dégommer avec cette musique. Ouah, comme ça m'énerve. Attends. Allez, tu fais la boule. Et tu te déboules. Boule. Déboule. Boule. Rentre le ventre. Déboule. Boule. Déboule. Allez, on tient. Wouhou. Allez. On refait une deuxième fois, je suis désolée, c'est désagréable, mais c'est bon pour ce qu'on a. Et tu déboules. Allez, on accélère. En rythme, avec les pirates. Allez. C'est dur un peu, hein, quand même. Allez, ça va bien se passer, les amis. Allez, on se refait les genoux. Vous tendez cette jambe. Hop. Et tu tends. Tu descends. Tu descends au max ta jambe, d'accord? Viens chercher avec ton coude, ton genou, ton genou. Allez. Essaie de rester le dos bien plaqué au sol. Hein, ne cambre pas. Jamais de la vie, tu cambres. Allez, on inverse. Genoux, épaules, c'est parti mon kiki, tu tends. La 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 la. Oh non, je veux pas que ça arrête cette musique. La 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 la. J'ai une image. Lucie, est-ce que t'es là? J'ai pensé pirate, c'est la musique des Pirates des Caraïbes. Et ça me fait penser à cet échange. Je sais pas si vous l'avez vu en story, mais Lucie, qui fait tout le temps le sport avec moi, qui est influenceuse, elle m'écrit, là, on se donne des nouvelles et tout, je fais vite. Hein, et je lui dis, ça va toi? Elle m'écrit, oui, ça va, juste un œil crevé, mais ça va. La routine. Et moi, j'ai paniqué. J'ai quoi? Un œil crevé? M'écrit un œil crevé? Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui... Donc, je suis allée me faire toutes ces stories et tout pour voir s'il y avait eu une histoire d'œil crevé, si je la voyais avec un bandeau de pirate et tout. Et en fait, c'est juste que bah, c'est comme moi quand j'avais écrit bisous à très vite. Au lieu de vite, bah, au lieu d'écrire un peu crevé, elle a écrit un œil crevé. Mais j'en ai pleuré. Oh ouais, ça va, bah écoute, un œil crevé, mais la routine. Putain, moi, je te lâche. Oh, Lucie, un œil crevé. Je m'en remettrai pas de cette histoire. Allez. Bon, ben on avait dit 20 minutes, mais on se fait un dernier. Ah, je... Qu'est-ce que j'en ai pleuré de rire. Allez, c'est bientôt fini. On est le dos plaqué au sol. Tu tends. Tu descends une jambe. Tu remontes. Tu descends l'autre jambe. Tu remontes. Le dos est bien plaqué au sol. Tu remontes. Oh putain! À se fou rire! Tu plies! Tu mets les mains sur le côté! Je la voyais avec un bandeau quoi! Ah non, attends, l'œil crevé la routine! Putain, non! Côté, reviens! On fait lentement! Côté, tu restes bien les deux épaules au sol! Côté, reviens. Le dos est plaqué. Tu vois, là, j'ai eu tendance à cambrer. Je me suis corrigée. Hein. Là, il faut que ça soit dur. Oh, putain, c'est dur. Allez, on va faire... Tu lèves les fesses, là, tu vas voir. Comme ça. Tu lèves et tu descends. Donc, l'idée, c'est de monter les pieds vers le plafond. Tu peux le faire, normalement, aussi...
crever. Et tu retiens la descente, ça ruine. C'est un peu dur des fois ça, à capter ce mouvement. Il fait tellement mal. Alors là, regarde, tu fais ça. Tu écartes les jambes. Et là, tu fais des tout petits comme ça. Tout petits comme ça. Contracte ton périnée, sinon tu vas nous faire une descente d'organes. Et c'est pas bon du tout là, parce que tu vois, moi j'ai pas vraiment assuré la rééducation du périnée. Ben maintenant, je peux te dire que quand je fais du trampoline, j'ai quand même aussi très envie de faire pipi. Hein. Alors fais gaffe, protège ton périnée, tu serres ta foufounette. Et là tu fais pareil, regarde. Tu ouvres, tu montes, comme ça. Hop là. Synchronisation. Coordination, je veux dire. Tu descends. Sinon, si ça te tire sur la nuque, tu fais pareil en posant ta tête dans tes mains, d'accord? Tu les connaissais pas, celui-là. Hein. Allez, tu mets les mains sous les fesses pour protéger tes lombaires, tu tends. Attention, serre le ventre. Tu descends, tu remontes. Tu descends, tu remontes. Allez, tu accélères. Et tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. Rentre le ventre, le périnée pour faire du trampoline tranquille. Et je ne parle pas non plus de la corde à sauter. Corde à sauter, je me dis mais merde, pourquoi j'ai envie de pisser? Je m'en vais pisser même. Ah, c'est chiant. Allez, tu fais pareil. Et là, tu croises. Et tu descends en même temps. Putain, je me prends la table. Et tu remontes. Donc, tu croises, tu descends. Si tu sens que tu commences à cambrer, arrête de descendre. Et tu remontes. 4, 3, 2, 1, stop. Na, 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 na. Allez, on refait la bouboule qui peut monter. Et tu montes. Et tu descends doucement. Tu montes. Tu descends doucement. Regarde le plafond, tu montes. Tu vois? Il faut bien gérer la descente. Et tu souffles. C'est un de mes exercices préférés, moi, celui-là, de faire la bouboule. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, j'avais dit 20 minutes. Au final, on s'est fait une bonne grosse demi-heure. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Mais vous savez quoi, ça m'a remise en forme. Voilà, j'étais fatiguée. Moi, ça me fait ça souvent, le sport. C'est pour ça que des fois, je me dis, ah, pourquoi je vais peut-être annuler le truc de sport. Je suis crevée et tout. Mais en fait, je sais que ça va me remettre un petit coup de peps. Bon, exercice dos, ben, on en fera la prochaine fois si tu veux. Mais tu sais, quand on était en gainage planche, on sollicite pas mal le dos aussi, hein, les muscles dorsaux. Il faut pas croire. Voilà, bon, à bientôt les amis, merci beaucoup d'avoir été présentes. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai le prochain live, peut-être ce week-end, pas sûr parce que je vais essayer la moto trial samedi, j'adore, je vais découvrir de nouvelles, j'adore découvrir de nouvelles activités. Bon allez, ça y est, je raconte ma life, je ferme ma gueule, bisous, bonne soirée, ciao. Non, oui, non, oui.